Bonjour tout le monde, bienvenue sur News AD. En fait, information, c'est qui ça lié? Eh bien, c'est possibilité pour que Donald Trump t'a justement allé dans la course pour venir député ou bien sénateur. L'idée, c'est pour t'a venir à au speaker. En fait, l'idée, ça a un pile conservateur t'a brassé pour l'élection 2022. En fait, c'est comme quoi Mdadou, au lieu de la page, on n'a rien du tout. Ces derniers jours, tout le monde qui aux entourages, monsieur, fait comprendre que. Je suis vraiment malade de pouvoir. Monsieur Bayam, si je ne parle pas de l'élection qu'il a perdu. Donc, toute qualité d'idée a passé dans cette semaine. On parle sérieusement. Est-ce que c'est possible pour que Donald Trump aille comme député? On dit de manière illégale. OK? Par exemple, quel côté dans la loi qui interdit et lorsque vous finissez président pour choisir aller candidat pour député ou bien sénateur? Yo pa ka interdit ou ça. C'est ça on t'a dit. Mais est-ce qu'il plausible? Alors là, nous capable dire c'est bon bah pour t'a envisager mais pas oublier que là parler de Donald Trump, c'est quelqu'un à part entière qui des fois surprend monde dans façon que d'agir. Et ça passé hier côté que position ça pour t'a aller et comme député en 2022 et justement arrivé prend ma toa nan men Nancy Pelosi et en fait tandis que yo te posé la question partisien yo te posé la question sur proposition ça c'est des andale de extrême droite dans radio host qui t'a suggéré ça vendredi avec Steve Bannon je sais qui est Steve Bannon qui c'est ancien conseiller du président Donald Trump et que Donald Trump trouvait que c'est une idée intéressante. Et en clair, il possibilité arrêter un peu bas, mais Donald Trump dit c'est très intéressant. Parce que ça vous t'a comprendre c'est que Donald Trump a les député comme Speaker of the House, très tellement rien ça t'a parlé de FCM pitch Donald Trump avec FCM pitch Joe Biden avec Harris Kamala, certes, mais guess what? Ça peut t'ap toujours, ça peut t'ap empêcher que le toujours aller comme président. Par contre, s'il comprendre. So quelque part, il a toujours une possibilité s'il voulait aller en 2024 comme président, Speaker of the House, ça peut pas interdit là, aller vers ça, ok? So you know, éventualité pour monsieur Tafon Baye, c'est à courir peut-être pour un poste comme ça, envoyer au Maril. Mais, en nous clair, et nous pas quoi 2022, dans différents procès qu'a fait, il n'y a pas privé 2022, très certainement. Et si il y a pour Maril, très certainement, monsieur a bien pour le Maril avant 2022. Et en fait, j'en tout là, Léo suggéré l'idée ça. Donald Trump dit, réponse par il dit, it's very interesting. Donc, pour lui-même, son idée qui est assez intelligente. Donc, il dit que, et monsieur a ajouté que il y a d'autres monde qui te suggéré de préférence pour aller pour le Sénat. Et il pensait que aller pour le Sénat, ma be better. Et ma bon garantie, là, monsieur dit aller pour le Sénat, ma be better. Il n'y a pas l'autre monde que Mitch McConnell, ok, que monsieur toujours rêvé ou il était remplacé. Et donc, bien entendu, la vérité, c'est que je ne dis pas, même lorsque le président a chanté un peu partout, comme Bakri, en plus, l'analyste pas pensé que monsieur va le tourner vraiment comme candidat à la présidence, bien qu'il toujours a fait spéculation, mais qu'on a même fait spéculation pour le congressman. Et maintenant, pour bon, sur ça, vous montrer justement et républicains justement et gens que yo même beaucoup de pas et en pile là dans cette extrême droite, tu as que pour Donald Trump toujours été impliqué pour toujours montrer que il voulait faire un return sur scène politique là. Et maintenant on dit que logistique house pour aller conduire comme ça va être compliqué. Et c'est Volta, justement, je viens de dire, qui bon monsieur, monsieur dans Florida. D'abord, Volta dit, qui district qu'il décide d'aller avant de faire. avant de faire ça, il est redistribué. Alors, de deux façon de faire district, il réapproportionne le district. Maintenant, on dit que présentement, monsieur plus se concentre pour endosser des congressmen, des candidats, et justement, li et a intention de continuer à faire ça. Et en fait, tout sondage a montré que Donald Trump toujours été
était une force influente au niveau de et au niveau de Parti républicain. Et en fait, Donald Trump qui dit que next time qu'il trouve la Maison Blanche, Zuckerberg papa là, ok? So, et en fait, on va comprendre ça que ça, monsieur, dit c'est le fait que yo mettez le dehors et au deal, c'est jusqu'à 2022, ça va le dépendre. 2022, et s'il paraît présente une menace pour la population, il y a une chance de tourner encore. La vérité, c'est quoi? Et, je dis, on a parlé de Donald Trump. Peut-être quelque part. Et la vérité, c'est que le grand public a commencé à. Monsieur commence à perdre attention. Oui, ça nous le dit. Rapidement, il dit, monsieur commence à perdre et grippe sous attention publique. Là. Donc, on est Twitter, Facebook. Et c'est ça que fait, de temps en temps, la possibilité qu'il vienne en bagaille pour qu'il y ait attention. Mais c'est dit, il commençait vraiment à perdre attention publique. Là. OK? Et donc, l'hyperdit statut comme un top newsmaker depuis le jour fait news. OK? Parce qu'il est toujours bon bagaille pour le dire. Statut ça. Et déboutant de l'actualité, c'est Trump, l'hyperdit statut ça. Et puisque vous connaissez toute plateforme, retirer plateforme, en fait, tout réseau social, vous retirez sur toute plateforme. Yo. On connaît même YouTube démonétisé. Bah quoi que li pa gen ka upload sur YouTube. Et maintenant wap, ça justement, il gagne impact justement sur le plan politique puisque li vraiment pas gagné assez d'emprise sous dans conversation qu'a fait yo. Ça qui t'est mené là en 2016, c'est le fait que il était toujours justement à faire actualité. Donc attention que média ou qu'on a bah, monsieur il passe à l'oubli. OK? Et en fait, gagne une sorte on bah le social flow index, c'est une sorte de indicateur qui mesure social media engagement dans différentes stories qui ont un rapport avec Trump. Vous comprenez, ça veut dire mesurer les hommes maintenant Trump qui gère interaction et sans le considérer comme pic attention. Eh bien, ce qu'elle calibre de ça, et yo dit que c'est 50 monsieur recevoir la donne pendant dernier jour ça. Social Flow compagnie qui publie que des contenus sociaux sur plateforme là et donc il dit qu'il montre que monsieur il est vraiment perdu, il n'est pas arrivé à attirer attention. Donc on capable sentir monsieur à court de sensations. Vous comprenez? Monsieur à court de sensations puisque et en tant que superstar qui toujours a fait parler de lui et lui ont des gens passés dans l'oubli bien que nous-mêmes ça nous fait Jodia, c'est nous à parler de lui, c'est une façon justement pour rappeler que ce n'est plus le même Donald Trump, c'est un Donald Trump qui est en quête de buzz et qui effectivement et la vérité est très peu de chance pour Monsieur Tavine et aller pour président encore. Très certainement, il y a des candidats que il est capable d'endosser, notamment DeSantis, Jodia, qui vient un candidat potentiel. Ou t'as allé dans le poste président. Donc voilà, guys, justement, nous t'avons porté update ça pour pas oublier toujours été connecté avec nous. Les toutes dernières informations, nous toujours porté au bon site là. Bye bye tout le monde.